Farah, Farah, debout, debout. Adir, c'est toi? Oui, laisse-moi te voir. Ça fait combien de temps que t'es à l'isolement? 10 jours. T'es toute pâle. Sans boire ni manger. Farah. C'est bon. Je peux gérer ça. Pourquoi est-ce qu'ils nous font ça, tous les deux? Ils servent de toi. Pour que je craque. Faudra qu'ils me tuent pour ça. Non, Adir. Il faut que tu vives. Regarde. J'ai pris une clé. Pourquoi? On va trouver Farah. Tiens, prends-la. Attrape. C'est bon. Bien. Cache-la. Le général Barkov arrive. Il est au courant pour les messages. Il sait que c'est toi, Karim. On verra. Tiens, une réunion de famille. Très touchant. Tu veux que tout s'arrête? Dis-moi la vérité. Emmenez-le à l'entrepôt. Faites-le parler. Celle-là, elle est pour moi. Ouvre. Ne touche pas, espèce de malcriant! J'espère que t'as apprécié la petite visite de ton frère. C'était sans doute la dernière. Frère. Silence, va te mettre dans le coin. Tous tes grands projets d'évasion, tu vas bientôt les oublier. Regarde-moi. Regarde-moi, j'ai dit. Il fait une chaleur infernale dans ton toit. Tu dois mourir de soif. T'en veux? Y'en a plus. On va te trouver de l'eau. La porte! Suis-moi. Entre. Assieds-toi, Farah. Tu ne peux pas t'échapper, Farah, et personne ne viendra te sauver. C'est moi qui contrôle ta vie. Et je peux la rendre plus agréable. Bon, qu'est-ce que tu sais sur ce commandant Karim et sur les messages interceptés? Va te faire foutre. Tiens ta langue, petite. J'ai été patient, maintenant c'est fini. Reste conscient que tu pourras revoir ton frère une dernière fois. Il va te donner à boire. Essaie de respirer. Respire, Farah. Tu vas y arriver. C'est ça. Je croyais que tu voulais voir ton frère. Fais un effort. Encore! Voilà. Il faut que tu respires, Farah. Ne t'évanouis pas! Ouais, tu t'en sors plutôt bien. Bien. Quelle force, Farah!
Continue et tu reverras à dire. On y retourne. Qui est Karim ? Je t'emmerde. Quelle petite fille mal élevée. J'ai trouvé une de tes sœurs. J'ai pas parlé, Farah. T'en fais pas, Azale. Silence ! Sa vie dépend de toi, Farah. Reste consciente, elle vit, sinon elle meurt. T'as compris ? Cette fois, je vais aller plus fort. De l'autre côté ! Pas par là, Farah ! De l'autre côté, Farah ! Tu ne peux pas retenir ta respiration éternellement. Tiens-toi tranquille. J'aimerais que les choses soient claires. C'est moi qui commande ici. Je t'ai laissé une chance de sauver une vie. Maintenant, je vais te montrer comment on la reprend. Non, elle a rien fait. Non, pitié ! Non ! Nettoyez ça. Qu'est-ce que tu me fais faire ? Tu dois avoir faim, Farah. Hmm ? Mange. Après, on parle. Ah ! Tu crois qu'on est amis ? Hein ? Tu crois que tu peux me battre ? Hein ? Fini de jouer ! Ton frère a volé une clé qui m'appartient. Elle est où ? Vous l'avez perdue ? Il en manque une, mais nous avons les autres. Elle ouvre quoi, cette clé ? Tu te crois maligne, pas vrai ? Karim. Oui, je sais, je l'ai toujours su. Bon, où se trouve la clé que ton frère Adir m'a volée ? Azadeh l'avait. Tu mens, on l'a fouillée, une fouille totale. Ce pays est un vrai vivier de terroristes. Je suis là pour faire régner la loi et l'ordre sur ce pays. Ce n'est pas des terroristes qui m'en empêcheront. Je protégerai la Russie. Silence. Putain, c'est quoi ce bordel ? Tuez tous les prisonniers, enfermez-les dans l'entrepôt et mettez le feu. Tu complotes dans l'ombre. Tu te bats pour des miettes. Pas trop serré. Bien sûr, ça va me servir. Ça y est. Des pierres. Trouve une issue, Farah. Je peux l'utiliser pour escalader. Ah!
остаться тут, Мал. Эй, потом заберемся где-то наверху. Кто передвинул стул? Черт, найди ее и убей! Я слышу движение. Это она. Так, ищи ее, болван. Я пытаюсь. Пытайся лучше. Объекта не видно. Продолжаю осмотр района. Эй, ты там, где ты? Опять на работе свищ! Найди девчонку! Ты меня слышишь? Черт! Что? О, черт! Ты là, y'a qu'une seule issue, et je te laisserai pas passer. J'arrive, mes sœurs. Par ici ! Mes sœurs, tu t'es enfuie ! J'avais confiance. Les gardes sont partis, qu'est-ce qui se passe ? Les forces de Barkov sont attaquées. On doit y aller. Ouvre la porte, ma sœur. Le bouton ouvre les cellules. Merci. Farah, viens ! Les armes sont là ! Merci, Nadia. Tu l'as assadé là-bas ? Oui, il va le payer. Les gardes sont de retour. Allez, on va les surprendre. Comment ? Comme je vous l'ai dit, viser et tirer jusqu'à ce qu'ils tombent. Il quitte son abri ! Des ennemis, bien joué, mes sœurs. Barkov a enfermé les autres dans l'entrepôt. Trouvons-les avant qu'ils tuent tout le monde. Entendu. Oui, Farah. Karim. Tout près du bureau. Je les vois. Faut que j'ouvre. Dépêchons-nous de libérer les autres avant qu'il soit trop tard. Suivez-moi, mes sœurs. Eh bien, Karim ! Gardez, en haut de la tour ! Un sniper ! Il protège l'entrepôt ! C'est là qu'ils détiennent les prisonniers ! On y va ! Suivez Karim ! Allez ! On y va, Farah ! Thank you.
Mais enfin près de ce bâtiment. Ouvrez le feu. Il faut ouvrez-moi. D'accord. Bien joué. Qui est le commandant Karim ? C'est moi, Karim. On a reçu vos messages. Lieutenant John Price, où sont les autres ? Là-dedans, droit devant. Restez à côté. On y va, les gars. J'envoie tout. C'est bon. Continuez. C'est l'usine de gaz. Il essaie de brûler l'épreuve. Et les prisonniers ? On va ouvrir la porte. Reculez ! Oh ! C'est bon. On les sort de là. Je vais allumer le système d'arrosage. Ouvre la porte. C'est verrouillé ! Débit ! Mort ! Adieu ! Continue ! Soufflez bien. Rassemblez les gens et le matériel. On s'en va. Allez au nord. Évitez l'autoroute. Bravo 6 à Cobalt 4. Confirmez votre position. 10 minutes. Ok, restez dans le coin. Dépêchez. Barkov va venir récupérer ses morts. Yarla, attends-nous. Oui, Farah. Vous savez qui va vous le faire payer. C'est eux qui vont payer. On sera prêts. Nos hommes ont nettoyé la route au nord. Vous pouvez y camper sans risque. Merci. La révolution commence, ma sœur. C'est la guerre qui commence, mon frère. Il y a guerre et guerre. Rappelez-vous. Bravo 6, décolle dans 2 minutes.
20 années de guerre civile. Cette guerre n'a rien de civil. Adir s'est entraîné. Kidnappé ou non, c'est la même chose. Il a livré le gaz en Russie. Oui, mais avec l'aide d'Al-Qatala. Il a le réseau et la main-d'œuvre. On peut pas lui en vouloir, si ? Officieusement, non. Mais ça dépasse Adir maintenant. On a deux options. Quoi, prévenir Moscou ? Ou laisser la mère patrie prise à son propre piège. Beaucoup d'innocents vont mourir. Aux mains d'un agent occidental. Bon, ok. Allons à l'essentiel. Vous suggérez quoi ? Un petit voyage d'affaires. Autorisé ? Non. Avec qui ? De vieux camarades. Et le sergent ? Il est prêt. Je peux vous faire entrer, mais après, débrouillez-vous. Et aucune arme étrangère. Laissez-moi faire.